à Roquebrune. Hein. Roquebrune, c'est un petit village. Et donc, moi, de la maison, après, je ne sais pas où est-ce que tu es, ben, toi exactement, hein, mais si t'es à peu près dans le village ou à proximité, du moins, voilà, lui, il me dit 46 km, 46 bornes, et François, par rapport à sa commune, il y a 50. Voilà, bon, ça se tient. Je vais faire un retour sur toi, Vincent. Moi, je cherche. Parce que vu que ça ne me prend pas la commune, il faut que je le recherche. Déjà, il faut que je rechauffe, l'aréole. Et après, que je cherche Roquebrune aux alentours, parce que c'est le bordel. Retour sur toi, Vincent. Ouais, tu prends l'aréole et c'est au-dessus de l'aréole. C'est entre. Ouais, t'as Soussac, tu descends, c'est entre Soussac et l'aréole. Voilà, l'état Roquebrune et tous ces petits bleds là, voilà. Ouais, mais de toute façon, oui, Alain, 50. Attends, je suis en train de calculer quelque chose. Ouais, parce que je suis quand même plus décalé vers. Je suis plus décalé vers l'ouest. 50, ouais, c'est possible parce que toi, Roquebrune, oui, tu vas vers l'est aussi, ouais, c'est kiff-kiff, ouais, on est kiff-kiff par rapport à François, hein. C'est ça, oui, parce qu'il aurait, tu aurais été plus côté Miramont, là où tu vas être, là, par contre, on va s'éloigner, là, Alain, hein. Quand tu vas être sur Miramont, si tu y vas, on va être éloigné, là, hein. Ouais, mais toi, tu te trouves où? C'est dans le village également, à Guitre, là, c'est ça, Guitre? C'est dans le village ou à proximité? Alors moi par rapport à Guitre, je suis à combien? À 1 km de Guitre, du centre de Guitre. C'est un petit bled, enfin un petit bled, oui, c'est pas une ville, ouais, c'est entre une ville et un village, il y a quand même pas mal d'habitants. Mais je suis pas dans le centre même, hein, non, je suis un petit peu à l'écart, mais de 1 km, voilà. Oui, après bon, on va pas chipoter 1 km près, ouais, non mais c'est ça, 50. Après je sais pas comment vous mesurez, hein. Moi je m'embête pas, en fait, si tu veux, je prends mon lieu de résidence. Sur Google Maps, là, je fais ça sur le téléphone, hein, j'ai pas d'ordi. Je prends Google Maps, je mets mon lieu de résidence, et après je fais mesurer, là, en dessous, tu sais, t'as la petite règle où tu peux mesurer, et puis donc je trace jusqu'à vos copines. Oui, tout à fait, oui, non, mais c'est ça, et parce que Roquebrune, moi je connais, donc c'est vrai que tu es. On fait un triangle tous les trois. Et moi, je suis légèrement décalé un peu plus vers l'est, mais pas de beaucoup. Et donc, c'est pour ça, avec François, non, on est par rapport à toi, on est kiff-kiffé. Voilà. Mais écoute, alors François, ça y est? J'ai trouvé son sac, ça me donne 33 kilomètres. Voilà, mais tu descends encore, et entre l'aréole et Soussac, et tu as Roquebrune, tu as t'as Mont-Ségur. Alors, quand tu auras la carte en face, Mont-Ségur sur la droite. Bah, entre l'Aréole et Mont-Ségur, François, à peu près, pas à mi-distance, mais quasiment. Attends. Top, parce qu'il faut que je. Attends, qu'est-ce que je peux donner? Attends. En redescendant. Après, tout dépend comment on est positionné, c'est toujours pareil. Attends, suivant comment je me positionne, j'ai Sarlandy Picona, qui est sur la gauche de Soussac. Non, c'est pas bon, c'est sur la droite. Attends, il faut que je tourne dans mon truc avant. Attends, ça c'est sur la droite, alors attends, oh, putain. Alors si je le mets sur la droite, si tu me dis de descendre, ben non, ça va pas, ce que tu me dis. Non, faut que tu trouves. Bon, tu trouves Soussac, tu as trouvé Soussac. Il faut que tu aies Pellegrue. Tu as un bled qui s'appelle Pellegrue. Pellegrue, il faut qu'il soit à droite de Soussac et après tu descends. Alors attends, Pellegrue, putain. Pellegrue, en fait, quand il est sur la gauche, moi, suivant comment je suis positionné sur ma carte. Non, faut qu'il soit à droite. Faut qu'il soit à droite, sinon là, faut que tu montes. Alors, tu t'arranges pour que Pellegrue, Mont-Ségur soient sur la droite de Soussac. Sur quoi, François? C'est une application. C'est une application, tu rentres la commune et ça te trace directement ça te trace le kilométrage. Donc, ça prend pas tout. Ça prend pas toutes les communes,
Mais voilà, après en recherchant, en cliquant dessus, dessus la commune, ça te donne la distance entre ton point à toi et puis le point que tu as pointé. Donc, Vincent, ça y est, j'ai Pellebru à droite, légèrement en haut. C'est ça, mais là tu descends maintenant. Tu descends, tu vas voir Montségur un petit peu sur la droite et tu descends et entre Montségur et la Réole. Là, Montségur. Attends, il faut que je réduise un peu parce que après Montségur. Ah, ça y est, putain. Alors attends. Ouais, il faut que je fasse autrement. Ah ouais, putain. Bon, je vous laisse converser, je vais repointer. Vas-y, pointe. Voilà. Bon alors Alain, cette maison. Macoumène, là, Roquebrune. Et puis après, en fait, ben, tu t'appuies sur la commune ou sur un point à côté. Et en bas, t'as mesuré là, et puis tu traces ton trait après jusque chez toi. Mata, il est en train de pointer avec son appli. 96 km. Tu n'avais même pas vu, tu vois, qu'on pouvait mesurer les distances en direct sur Google Maps. Là. Et c'est vrai que finalement, je trouve que c'est super pratique. C'est super pratique parce que tu mets ton point GPS, donc même si la carte est plus ou moins grande, tu sais que tu as le petit point bleu, ça correspond à chez toi. Et puis après, ben, tu tapes la commune, tu la valides, tu prends mesurer, puis tu retraces jusqu'au point bleu. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oh, tu peux faire plein de choses avec le map. T'sais. Voilà. Bon, François, tu as dit combien 42? Ouais, 42,96. Il y a 10 bornes d'écart entre. Voilà. Donc, c'est. Voilà, c'est Alain qui est le plus loin. De 10 km. Non, mais après, ouais, moi, c'est une appli là, que j'ai depuis un certain temps. Bon, après, c'est pas grave. Hein, je recherche la commune, grosso merdo. Et puis, en restant appuyé sur le point, quoi, vu que ça a pris mes coordonnées GPS, j'arrive quand même à savoir. C'est pas trop mal. Et je peux trianguler si je veux. Non, c'est pas trop mal. Comme le c'est quoi aussi votre application, là, des fois que je me sers, c'est AM Locator, je sais plus trop quoi, là. Ouais. QTH Locator, des fois, c'est pas mal aussi. Ouais, oui, après il y a plein de trucs. Bon, après, chacun prend ce qui lui convient, et puis c'est tout. Je suis en train de regarder par rapport à mon nouveau QRA après pour voir. Alors, attends, pour toi, si je ne me trompe pas, ouais, c'est un Martial. Là, moi je mesure, donc je ne sais pas combien d'années là, moi j'ai 46 km jusqu'à la maison. Et bon, ça va, je pense qu'on va bien s'entendre. On va bien s'entendre. 46 et là, nouvelle maison, il y en aura 49. Ah, Miramont, c'est ça? Ouais, je suis en dessous de Miramont, ouais. Miramont, juste en dessous, ouais. Alors, moi, ça va me donner. Enfin, voilà, parce que moi, je tape les. Enfin, voilà, je tape juste la commune, donc. Si t'es un petit peu avant ou quoi que ce soit, forcément il y a des kilomètres qui. Mais ça sera pareil, à un kilomètre près, voilà. Il y aura un kilomètre de plus par rapport à où tu es actuellement. Donc moi ça va rien changer. Ouais, après moi je suis un tout petit peu plus bas. Hein, là. Après tu vois Ferrière, Sèche, voilà. Bah, je vais vous laisser converser, je vais rester derrière, mais je vais vous laisser converser, je vais aller me remplir l'estomac. Parce que depuis tout à l'heure, voilà, la soupe elle est loin depuis midi, et puis j'ai pas fait 4 heures, donc voilà, moi je me fais pas plus loin. Je vous envoie la bonne soirée, tout ce qui va avec, messieurs. Un bon QSO, voilà, merci du passage, et puis peut-être dans le week-end, voilà. En tout cas, ça y est, je vais l'enregistrer, puis moi écouter, il dit la vue de lui-même, et voilà, il y a quoi d'affiché là, j'ai le. Le NP et la NL, hein, bon, ceux-là ils y vont, ouais, moyennement. Mais le plus, ouais, pour moi, le plus qui est vraiment massif, c'est le NR. Celui-là, c'est du tonnerre. Hein.